Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Sly Raccoon. Ça fait très longtemps que je vous en parle et là je lance le jeu et je suis directement dans l'action. Je m'attendais pas à atterrir directement comme ça dans le menu. Pourtant je l'ai lancé le jeu pour tester mais j'avais pas fait trop attention. En tout cas, je suis très content de vous retrouver sur ce jeu. Donc ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'anciens jeux comme ça un petit peu. À la sauce Ratchet, à la sauce Jak and Dexter, et on s'y attaque aujourd'hui. Donc je possède la trilogie HD, donc vraiment de la même manière que Ratchet & Clank et Jak and Dexter, on va avoir les trois Sly, des jeux que je ne connais absolument pas, je n'y ai vraiment jamais joué, hein. Vraiment j'y ai jamais touché, donc ça va être une pure découverte et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec vous. Je sais que beaucoup d'entre vous y ont joué étant plus jeune ou même encore maintenant, hein, je sais pas, parce qu'il est quand même très connu comme jeu, donc peut-être que vous y jouez en ce moment même. Mais tout ça pour dire que vous pourrez me donner vos astuces et vos conseils, comme d'habitude, je serai tout oui pour les écouter. Voilà, donc juste avant de commencer, je vous dis que c'est un jeu qui à la base était sorti en 2003, donc quand même il date un petit peu, qui était développé, enfin qui est toujours développé d'ailleurs par Sucker Punch, si j'ai bien vu, et édité par Sony. Voilà, donc je lance une partie directement, et puis voilà. Sly, ok, ça se lance direct, quoi. Sly, tu me reçois? Oui, je te reçois, oui. Bien. Un peu trop bien, même. Désolé, je suis un peu accro. Il faut dire qu'on n'est pas vraiment invité dans ce commissariat. Relax, Bentley. Tu es dans le van. C'est moi le voleur qui doit piquer ce fichier à l'inspecteur Carmelita Fox. Oui, eh bien laisse-moi être tes yeux et tes oreilles. Je contrôle leur système de sécurité. Pour rentrer, tu vas devoir passer dans ce conduit. Entendu. J'y vais. Et n'oublie pas que je suis ton chauffeur, Sly. Contente-toi de récupérer ce fichier et de venir me rejoindre. On s'occupe du reste. Laisse donc tourner le moteur, Murray. J'arrive dans quelques secondes. Ok, ok, on est vraiment directement dedans. Donc apparemment, on est à Paris. Notre personnage, qui est donc Sly, est un voleur, un raton laveur de base, mais aussi un voleur. On va devoir voler des choses apparemment. Par contre, il y a un truc qui va pas se passer bien du tout là. Il va falloir vite changer cette caméra. Commande. Caméra, voilà, merci beaucoup. Sauvegarder si tu veux, tu peux sauvegarder. Vide, vas-y sauvegarde, fais-toi plaisir. Comme ça au moins je n'aurai pas à tout recommencer s'il y a un problème, mais bon. Donc nous sommes un voleur. Apparemment on doit voler je sais pas quel fichier. Sly Raccoon. C'est un peu, en fait, présenté comme un film, là. Avec Sly Cooper. Et Murray. Murray, c'était l'espèce d'hippo. Waouh! Mais aussi Bentley la tortue. Ouais, je sais même pas où je dois aller, en fait. Peut-être là-haut. Et Murray. Alors, il y a des petits objets. Pour le moment, ça me rappelle pas mal... Je crois que j'ai des visions. Quoi? Tu vois ces lumières bleues là? Ah oui, j'ai lu quelque part que les grands ratons laveurs avaient la faculté de repérer les ratons voleurs sous la forme d'aura bleue. D'après mes recherches, tu dois t'en approcher et maintenir la touche cercle enfoncée pour réaliser un super coup de voleur à la dérobée. En gros, on va avoir le tuto, c'est habituel, mais je trouve que ça ressemble beaucoup. Même si j'ai fait 5 pas, quoi, mais... au premier Jak and Dexter, en fait. Les objets, comme ça, au sol. C'est très... très vieux jeu, finalement. Très ancien. Très rétro. Alors, je crois que je peux attaquer. Voilà. Parfait. Parfait. Wow! Sois vraiment très prudent, Sly. Si tu touches un de ces faisceaux laser, tu déclencheras l'alarme et tu seras carbonisé. Alors, j'ai le double saut, hein. Le classique du jeu de plateforme. Le truc complètement... aberrant. Mais qui est là, quoi? Ok, on s'infiltre. Joué, vraiment. Le bureau de l'inspecteur Carmelita Fox est derrière la porte rouge. La porte rouge. Elle est là, la porte rouge. Alors, Carmelita Fox, je sais pas si c'est notre grand ennemi. Cette porte m'a tout l'air d'être blindée, Sly. Alors, j'appuie sur rond quand il y a les petites étincelles. Oh là, doucement quand même. Ne tombe pas. Et... je pille le coffre. Oui. Bien joué, Sly. Tu as trouvé l'endroit où Carmelita Fox cache tous ses fichiers importants. En piratant le système de la police, j'ai découvert la combinaison 937 pour la chambre forte. Ok, 937, vas-y, fais péter. Oh là. 9.
Bon, je pense qu'on est un peu dans la phase de tuto. Merde. Ok, fais tout le tour parce que... Ah, si je peux. Voilà. 9, 3, 7. Fais péter le coffre. Je sais même pas ce que c'est que ce fichier. Ouh, une femme qui a du chien. Bien joué, tu l'as eu. Maintenant, descends par l'escalier de secours et fonce vers le parking. Nous t'attendons dans le van. Très bien, l'escalier de secours. Genre on laisse une petite signature quand on fait des larcins. Est-ce que je peux choper cette bouteille? Oh oui. Ah mais il a fait quoi? Il s'est bloqué. Je peux vraiment casser plein de choses. Alors je sais pas si ces petites pièces ont une importance, donc on va quand même les choper. Peut-être que je vais pouvoir acheter des objets avec. Donc on va peut-être pas hésiter à casser tout ce qui bouge. Voilà, on a cassé le siège du... Bah de Carmelita. Ah bah c'est alors, elle. Stupide raton, te voilà pris en flag. Ah, Carmelita. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Bombay. Tiens, à propos, tu dois rendre la pierre de feu d'Inde à ses propriétaires. Oh, justement, je voulais vous la donner pour vous prouver ma bonne... Hé, hey, ce bazooka fait vraiment bien sortir la couleur de vos yeux. Ça vous va très bien. Ah oui? Ce pistolet est paralysant. Tu veux essayer? Ça calmera peut-être tes ardeurs de voyou. Ok. Que faites-vous de notre rendez-vous? Un dîner aux chandelles derrière les barreaux. Ça te tente? Voilà, attention. Il y a du dialogue de fou, là, je le sens bien. Je suis venu pour prendre ce fichier. Vous l'avez gardé assez longtemps. Ok. Elle va nous tirer dessus. Ok, pas de soucis. Je sais pas si on a beaucoup de points de vie. Peut-être lui renvoyer. On va attaquer. Avec triangle, je ne peux rien faire. Avec rond, apparemment, c'est juste pour les étincelles bleues. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok, je m'en vais. Monte sur les voitures de police. Wow, 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 wow. Elle est violente, Carmelita. Carmelita, calme-toi. Ouh là 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 là. Ah, c'est notre van. Le exit. Ok, c'est la sortie. Bon, très bien. Ouais, c'est un petit peu notre ennemi, quand même, hein. Une fois de plus, nous avions échappé à l'inspecteur Carmelita Fox. À ma grande surprise, elle le prit plutôt bien. Enfin, le fichier secret de la police après tant d'années de recherche. Grâce à lui, je pouvais venger ma famille et reprendre notre bien le plus précieux. Tout commença lorsque je n'étais encore qu'un enfant. J'étais le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs qui avaient perpétré leur savoir en le rapportant dans un grand livre ancien. Le Volus Ratonus. Quiconque le lisait, apprenait les subtilités du métier. C'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels. C'est vrai, quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents? Alors qu'en volant un voleur, on devient un maître voleur. Hélas, le soir où je devais hériter de cet ouvrage, 5 visiteurs surprises vinrent frapper à notre porte. Mon père tenta de nous protéger, mais les intrus qui se faisaient appeler les 5 maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver... Le Volus Ratonus. Le grand livre du vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes. Ils divisèrent notre livre en 5 parties, se les répartirent entre eux, puis disparurent chacun à un bout de la terre, assoiffés de crimes infâmes. Ruiné et seul, je me retrouvais à l'orphelinat de la ville. J'y rencontrais les 2 gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis. Bentley, le technogénie et fin stratège, et Murray. Chauffeur occasionnel, mais boulet permanent. Ensemble, nous fîmes la promesse de traquer les 5 maléfiques, de venger mon père et de reprendre le Volus Ratonus. Je savais que l'aventure était à double tranchant. Cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres, ou à l'inverse, un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille. C'est très... comique. Enfin, comique, je veux dire BD, vous voyez? Genre quand Carmelita Fox est apparue, on aurait dit Wonder Woman. Viens donc me voir si tu veux visionner tes anciens exploits. Ils sont tous sur mon ordinateur. Déplace-toi dans la planque avec le joystick analogique gauche et choisis avec la touche croix. Ok. J'ai déjà tracé le chemin vers notre première cible. Ok, alors je sais pas trop ce que c'est que tout ça, c'est peut-être un choix de niveau. Donc apparemment, on va devoir récupérer son bouquin, son Volus Ratonus, qui est séparé en 5. Et apparemment, bah, on y va, quoi. Go pour le premier. En plus, j'ai l'impression d'être dans la camionnette de Scooby-Doo, là. Le voyage de retour me permit de me pencher sur le cas de Raleigh la grenouille.
Dans sa jeunesse, ce batracien au sang chaud se lassa vite de sa vie de nanti. Il s'essaya alors à la piraterie et se rendit compte que c'était bien plus qu'une simple lubie. Ralek devint rapidement accro au crime et intégra les cinq maléfiques en tant que machiniste en chef. Son génie malfaisant prit alors une nouvelle ampleur. Le machiniste fou avait été repéré pour la dernière fois sur les côtes d'une petite île humide appelée Oras. Tristement placé au beau milieu du terrifiant triangle de Galles. D'accord. Vous voyez, ça fait très titre de BD, je trouve, je sais pas. C'est voulu, je pense, quand même. Parce que c'est vraiment bien imité, en tout cas. Ou alors un titre de Scooby-Doo, quoi. Scooby-Doo contre la grenouille. Alors, l'art de la discrétion. 1% on a fait, wow. Ok, je suis propulsé dans un niveau. Donc je sais pas encore pour l'instant comment c'est. Je pense qu'en fait il va y avoir des niveaux donc où on était juste avant, là dans l'espèce de bureau. On choisit notre endroit. Et après on va fouiller. Donc là faut que je trouve la partie du Volus Ratonus que posséderait la grenouille. Je pense que c'est ça. Hey Sly, je viens de voir quelque chose qui risque de compliquer ta mission. Tu vois cette porte affreuse? C'est le seul accès possible à la cachette de Raleigh. Sans problème, je vais l'escalader. D'accord, mais souviens-toi, tu ne peux grimper que sur certains objets, comme les tuyaux et les cordes. Je sais, pas de soucis. Il y a aussi l'échelle là-bas. C'est exact, mais n'oublie pas, Sly, tu dois t'en approcher. Ah, évidemment. Saisir avec la touche cercle. Mais oui, relax Bentley, je connais ça par cœur. J'aime bien comment il vous balance le tuto un peu de façon... RP, quoi. Ok, je monte sur des trucs. Nous avons des choses dans les arbres. Monte dans les arbres. Je peux monter dans les arbres? Non, je peux pas. Monte sur l'arbre. Voilà qui est intéressant. Une bouteille. Le message que tu as trouvé est une sorte d'énigme. Je vais aller voir l'échelle. Je vais la résoudre dans le van. En attendant, essaie de trouver d'autres indices. Alors, apparemment les bouteilles, j'ai un compte. Encore une fois, j'ai envie de comparer. Bon, tais-toi un peu, machin. Alors, rond. Voilà. J'ai envie de comparer avec Jack and Dexter 1. Bah comme ça je peux déjà passer de l'autre côté là. Ok bon on sait comment passer. Mais je vais explorer. On va explorer parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs. Donc je ne sais pas ce que ça va donner d'avoir ces 20 bouteilles. Déjà toi. Voilà, tu vas te calmer tout de suite là. Boum boum boum, tu te prends un coup de serpette. Et c'est bon, ça finit pour toi hein. Tu casses tout là. Tiens, la bouteille, tiens, deux bouteilles. Tu casses la baraque là. On peut pas faire une attaque genre genre comme ça là, tu vois. Le coup de cul vers le bas. Je ne sais pas. Je pense que je peux monter dans les arbres là, parce que ça paraît évident. C'est quoi ça? Ok. Récupère les petites boulettes. Voilà. Pas les pièces. Alors ça, rond. Ok. Comment je lâche? Comme ça. Ok, il y en a là-haut encore. De l'autre côté. Bon, pour l'instant, c'est très plateforme. Moi, j'aime bien. Alors, vous m'aviez dit aussi, et encore une fois, j'ai envie de comparer à Jack and Dexter, que le 1 et les suivants ont vraiment une grosse différence de gameplay. Comme dans Jack and Dexter 1, on avait vraiment un jeu de plateforme au début. Attends, Sly. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ces projecteurs? Un pas de travers et tu seras transformé en charbon de bois. T'as fini de pleurnicher? On y va. Je veille juste sur ta... Bon, en gros, je rentre pas dans la lumière, ok. Je peux pas passer les dialogues, par contre. J'ai lancé ces amplificateurs de signaux, cher Alec. Rapproche-t'en pour que je contrôle ta progression. Cool. Ok, c'est bien. Je prends les pieds-pièces. Alors, je sais pas si je peux aussi sauter un peu n'importe où. Ou si ça... Non, vous voyez, je peux peut-être même revenir en arrière. Enfin, je sais pas si on va vraiment avoir de l'exploration. Alors, ne pas toucher la lumière. Wow! Bon, je sais pas si j'ai... Je crois que j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Wow, le mec! Le mec, il me balance des étoiles de mer, là, des fruits pas au pou dans la tronche. Tu te calmes avec tes shuriken, machin, là. Ok. En plus, je sais pas si je peux me prendre des... Oh, vous êtes pas beau, monsieur. Vous êtes pas très beau. Recycleur de pièces. Ok. Et ça sert à quoi, ça, mon petit monsieur? C'est un point de sauvegarde ou quelque chose de ce genre-là, quoi. Donc voilà. Ah, mais non, mais... Dès que je veux parler...
Il y a l'assiste aux tortues là qui... OMG le plagiat. Dirigeable ressemble plus à une machine qu'à une cachette. C'est vrai, Sly. C'est une machine tempête. C'est pour ça qu'il pleut toujours ici. Et ça explique les épaves de bateau. Mais alors, pourquoi Raleigh veut-il du mauvais temps en permanence? Ça me dépasse. Bah parce que c'est une grenouille. En attendant, les grenouilles, ça aime bien la pluie. Et si Raleigh veut m'en empêcher, il essaie. Ok, donc je vais réussir peut-être à dire mon putain de truc. Je disais... Oh, je peux tuer les abeilles. Différence entre Jack 1 et Jack 2. Vraiment, le premier avait des niveaux, avait des trucs à collecter. Enfin voilà, c'était très plateforme classique. Et le 2 et le 3 étaient quand même plus mission. Et d'ailleurs plus compliqué, on s'en souvient encore. Oula, je peux tomber. Et apparemment, pour Sly, c'est un peu pareil. Donc ça se trouve dans Sly 2. Parce que oui, je ferai bien sûr toute la trilogie. D'ailleurs, il y en a un quatrième, je crois, sur PS3. Qui n'est pas sorti. Enfin bref, voilà. Apparemment, le 2 et le 3 sont plus en mode Jack 2, Jack 3. Alors, peut-être que je vais rager à mort, à mort, à mort. Oh là là, mais l'assiste aux tortues, elle va vite me gonfler. Attrape ce crochet à l'aide de ta selle. Saute et appuie sur la touche cercle. Pigé. Sauter et appuyer sur la touche cercle pour attraper les crochets. C'est bien, c'est pas la peine de répéter tout ce que tu vois, Sly. Tu fais... Ok, appuie sur la touche cercle. Tu peux attraper le crochet en sautant et en appuyant sur la... Je me balance, tu l'as déjà dit, tu me saoules. Amateur. J'aime pas qu'on répète les trucs, hein. L'assiste aux tortues, elle va me saouler. Ok, alors là, il y a des taupes violentes. Mais c'est pas des taupes, ça. Hey. Ok, je me fais one shot, en fait. J'ai pas le droit de me faire toucher. Alors, apparemment, j'ai un système de vie en haut, donc c'est pas comme un Ratchet, pour le coup. Je vais m'en prendre plein la tronche. Il faut que je fasse gaffe. Vais-je avoir des game over? Je ne sais pas. Hop. Ah, j'avais pas entendu que ça faisait du bruit quand je marchais. Ça fait tom 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 tom. Ah, par contre, j'ai pas à récupérer les bouteilles. Je crois que j'aurais récupéré sur le chemin. Hop là. Ok, donc faut faire attention aux ennemis. Hein. Je ne peux prendre qu'un seul coup. Donc ça va vraiment être... La dangerosité. Hein. Là, le un seul coup, ça fait plutôt penser à un Crash Bandicoot. Hein. Tiens. C'est bon, on a tué le morse. Hop. Je peux pas passer par là. Non. Ah, c'est marrant comment il tombe. Ok, donc va vraiment falloir faire attention. En fait, là, j'essaye un petit peu de jauger comment le jeu réagit un peu. Je peux pas faire ce que je veux. Hein. Bon, on est quand même sur un jeu de PS2 à la base. Hein. Mais qui réagit plutôt bien, il est fluide et tout. Mais, bon. Le coup de un seul point de vie et je glisse sur les plateformes, j'aime moyen. Mais bon, écoutez. On va y arriver. On va y arriver. J'ai pas de raison. Mais je vais pas trop rusher et rester bien au milieu des plateformes. Alors, par contre, les pièces, elles reviennent, donc je sais pas trop ce que ça signifie. Alors, à tous les coups, voilà. Je vais en avoir 100 et je devrais avoir une vie. Je pense que ça fonctionne comme ça. Merde. Tom. Oh, des pièces par dizaine, ok. Va bien au milieu, reste bien au milieu, fais pas de bêtises. Tu vas glisser à droite, donc... Ah, ben voilà, donc c'est bien des checkpoints, ça, en fait, d'ailleurs, parce que j'ai remarqué que j'étais pop là-bas, donc... Alors, il y a encore plein de lumière. Je pense que j'ai une vie. Ah non. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un signe comme dans Alice Madness. Ah, mais je peux vraiment grimper n'importe où, ça c'est cool. Alors, il y a des bouteilles. Oh là. Alors, quel est le principe de ce truc? Ah, d'accord, pardon. J'allais dire. Ah, mais non, mais what the fuck, je suis pas mort, mais. J'ai perdu mon fer à cheval. Ok, mon fer à cheval permet de prendre un coup. Soit. Et les lumières sont là pour me voir d'abord et me zigouiller ensuite. C'est marrant comment ils s'accrochent. Donc ne pas rentrer une deuxième fois dans la lumière, parce que là, si j'ai bien compris, je vais me faire avoir. Et ce truc détruit tout. Ok. Alors par contre, il y a plein de bouteilles que j'ai ratées en haut, en hauteur là. Et là, il y a un coffre. Cette chambre forte est en rapport avec les messages que tu as trouvés dans les... What? Mais non,
Tu ne peux pas ouvrir cette chambre forte sans les autres indices. Ah, c'est ça les trucs des bouteilles. Ok, alors j'ai compris. Déjà, il y a un gros truc là, mais je vais pas y aller. On va aller chercher les bouteilles. Et j'espère que j'ai bien tout récupéré. Et apparemment, le coffre, c'est pour les bouteilles. Donc, s'il y en a deux là-bas, c'est bon. Non, va là-bas. Et on aura ce qu'il y a dans le coffre. Ok. On apprend, hein. Pour l'instant, on apprend vraiment. Donc, 100 pièces me donnent un point de vie, mais pas une vie. Vous comprenez? C'est compliqué. Tu as trouvé, Sly. C'est le dernier indice pour trouver le code. Ok. Maintenant, trouve cette chambre forte. Je te dirai. Mais je suis là. Appuie sur la touche cercle pour saisir le code d'accès. 9. Les indices me donnent à penser que la combinaison est 7-9-2. 7-9-2. Ok. C'est une page, ça? Enfin, c'est une page du Ratus Raconus. Tu as trouvé une page du Volus Ratonus. Valus, Ratonus, Racus. L'attaque fut du plongeant du vieux Drac Cooper. Appuie sur la touche triangle. Ok, donc j'ai une nouvelle attaque, d'accord. Donc ce genre de truc va être primordial, en fait. Je pensais que c'était un peu plus de... Bon, juste de la complétion, quoi, pour avoir un truc. Mais en fait, si c'est pour avoir des attaques... Ah ouais, trop bien, je peux charger comme ça. Va vraiment falloir le faire alors. Récupérer les bouteilles pour avoir de nouvelles attaques parce que sinon on va galérer. Alors c'est quoi ce truc là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Ok. J'ai quoi? C'était quoi ce machin? Ah mais... Ok. C'était la clé de la fin du niveau. Mais à tous les coups, ça veut dire aussi que la clé sera pas forcément à la fin à chaque fois. Parce que sinon, il y aurait pas eu cette animation. Ok, j'avance. Et j'ai fait 3% du jeu, je crois, c'était marqué. Ouh. What the... Ah, je peux changer de niveau comme ça. L'art de la discrétion. Alors apparemment, à droite, on voit la clé de la fin du niveau, le coffre, et il y a un autre truc. Ah, mais regardez. Ok. Là, on est à terre. Il y a la planque. Terre à terre, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le lobby. C'est le spawn. Et tu vas choisir ton niveau dans la musique, dans le feu de l'enfer, dans le blabla, dans le blabla. Vol première classe. Ok. Donc là, il n'y a rien à faire, en fait. Il est peut-être bon de préciser que tu peux faire un double saut. Ah, ok, c'est accroché. En appuyant deux fois sur la touche 3. Qu'est-ce que t'as vu encore? Le dirigeable semble être l'endroit le plus sûr du bateau. Si Raleigh est aussi futé que son casier le laisse entendre, c'est là que je le trouverai. Ton idée est bonne, mais vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'approcher. Pour accéder au dirigeable de Raleigh, il te faudrait passer par ce tube d'alimentation haute tension. Pour éviter de t'électrocuter, il te faudrait détruire ce groupe électrogène. Et pour ça, tu as besoin de deux autres clés. Et elles sont bien protégées. Ah, intéressant. Mais deux autres clés. Quoi, la clé que j'ai déjà est comptabilisée, quoi. Les zones à toucher sont marquées d'un hologramme. Suis-les jusqu'à ton objectif. Merci. Je t'en prie. Alors, adieu. Ok, adieu, salut. Bon, il me faut d'autres clés. Alors, comment je... Allez, d'accord. Ah, regardez. Regardez, il y a encore le... C'est pas un fer à cheval, on dirait un signe Oméga, mais c'est bien un fer à cheval. Tu as trouvé un porte-bonheur. Porte-bonheur. Ok, donc je peux prendre un coup avec ça. Sinon, je one-shot, quoi. Enfin, je me fais one-shot. Très chers amis, permettez-moi de vous féliciter du fond du cœur. Ok. Bah écoutez, on va aller dans un niveau tout de suite. Comme ça, on va pas perdre trop de temps. Dans la machine. Vas-y. Ok, donc on a vraiment un système. T'es là, et t'as plusieurs niveaux, et tu avances. Ok. Donc ça, c'est vraiment à l'ancienne, pour le coup. Mieux vaut fermer les portes de cette fournaise. Pour cela, saute et appuie sur la touche carré. Ah, mais si, mais ça, j'avais fait, là, tu vois. Mais... Ah, mais d'accord. Ok, alors, fournaise, boum. Moi, je voulais un coup de cul. Ouais, 30 bouteilles, ici. Ouais. En plus, elle revient, la fournaise, tu te calmes. Attends, j'ai envie d'essayer mon truc. Attends. Ok. J'aime beaucoup mon attaque. Ah, je peux pas la faire en sautant, hein, pour faire genre un saut en avant. Je ne peux pas. Alors... Oh, tu vas te taire. Comment je fais pour choper ça? Si tu suis le vil requin jusqu'à sa source, tu
tu trouveras la clé de Raleigh et tu pourras saboter sa machine. Ah. Ok, j'ai compris ce que t'as dit, faut que j'aille au bout. Sauf que là j'ai pris un coup parce que j'ai touché l'eau, donc j'ai perdu mon fer. Waouh, mais ça va être chaud. Non, va pas dans l'eau. Ok, faut pas faire cette attaque chargée. Je sens que le jeu va me faire rager parce que je vais mourir quoi. Donc pour l'instant je pars pas pour un 100%. Mais là je suis à 4% du jeu, hein, faut pas déconner. Si on peut le faire le 100%, pourquoi pas hein. Mais faudra trouver toutes les bouteilles. N'oublie pas, Sly. Pour te déplacer furtivement, tu te tais. Approche-toi des lueurs bleues. Ouah, la cistotrol tortue, là, elle me gonfle déjà, la cistotrol. Par contre, il faut prendre les petites... voilà. Ok. Si vous voyez des bouteilles que je n'ai pas vues pendant le tournage, il va falloir me leur dire, parce que je sais pas si vous voulez un 100%. Waouh. Genre là. Mais les 100%, c'est cool. J'espère que j'en ai pas raté. À la limite, si les niveaux sont pas trop grands, on peut toujours faire le niveau et voir combien il m'en manque et revenir en arrière. Là-bas, c'est la suite, hein, je pense. Donc, on va plutôt aller là. Faudrait pas que je rate aussi les pièces parce que c'est quand même important finalement ce point de vie en plus qui est primordial, quoi, parce que. Là, on va vraiment galérer sinon. Donc vraiment, c'est cool de ne pas avoir à récupérer les bouteilles une fois qu'on les a prises. Ok. Et niveau des vies, je sens que le game over va arriver plus vite que prévu parce que je galère déjà, quoi. Mais bon, les habitudes vont vite venir. Vas-y, souffle tant que tu veux. Tiens. Ok, on a quand même le temps d'attaquer. Hein. Ok, ça va aller. Prends quand même les pièces, voilà. Ok. En fait, faut que je m'habitue au saut. C'est comme. Comment dire. Je vais regarder de l'autre côté s'il n'y a pas une bouteille. Non. C'est comme dans Jack et dans Ratchet, quoi. Vous vous habituez au saut et au gameplay du jeu et après vous niquez tout, quoi, si je peux me permettre. Après, ça va. Pour l'instant, c'est assez simple de revenir, mais comme d'habitude, si je galère trop et que je reviens trop en arrière à chaque fois parce que je meurs. Il y aura bien sûr des ellipses et tout ce qui va avec, hein, vous accélérer pour pas que vous ayez trop de trucs tout le temps pareil. Alors vas-y, souffle ton feu toi, et boum. Non. Ah, intéressant, si je le touche, il ne me tue pas. Alors, j'ai vu une bouteille là-haut, mais... Là. Waouh. Putain. Comment je fais pour choper toi là-bas? Vous le voyez là? Comment je fais pour la choper? Ah, ok, ça rebondit. Ok. Méfiance. Surtout ne pas tomber maintenant. Oh, il y a une vie là. Il me la faut. Ah. Ok, vas-y, tombe là. Ok, est-ce que j'ai fait tomber d'autres bouteilles? Oui. Ouh. Le jeu va pas être simple, je le sens bien. Ah, on a bientôt un point de vie. Ah, il y a un checkpoint là, merci. Parfait. Parfait. Au moins, on sait où ils sont. Ça, c'est bien. Vous pouvez critiquer qu'il n'y ait pas de checkpoint, mais au moins, vous le voyez, le checkpoint. Donc, vous savez quand est-ce que vous pouvez vous permettre d'avancer, enfin, de prendre des risques ou non. Hein? C'est à toi que je parle, Jack 2. C'est à toi que je parle, Jack 2. Ok? J'espère que je rate pas de bouteille. Ok. Vas-y, passe. Ok. Ok. Wow, méfie-toi. Wow, putain. J'ai eu chaud, là. Ok. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut se rendre compte de la longueur du niveau avec les bouteilles. Genre là, je suis à 14, donc j'ai plutôt fait la moitié du niveau. Mais je sens que j'en ai déjà oublié. Je peux m'accrocher à ça. Oh là. Ok. C'est infiltration... Waouh! Doucement, hein. Ok. C'est marrant. J'aime bien pour le moment. J'aime bien. Ça fait plaisir de retrouver un ancien jeu comme ça. Moi, j'aime bien les jeux rétro en plus. Hein, vous le savez bien. À droite et à gauche, rien. Tu vas prendre la bouée de sauvetage, là. Oula. J'ai cru que je m'étais un peu fail, là. C'est bon. Waouh! Putain, mais...
Ça va pas, vous, hein. Vous vous planquez n'importe où, les petits morceaux. Alors, attention, des bouteilles. Il y a des lasers en plus. Ah oui, mais ils sont entre les trucs. Alors, hop, je les fais tomber. Hop, c'est bon. Ok. Fais passer le laser. Waouh, punaise. Ouais, je dis aussi des mots comme punaise. Je le dis pas souvent. Vas-y, passe. Ah, ok, elle est tombée, la bouteille. Ok, c'est bon. Il y a pas de vie. Si, il y a une bouteille là-bas. Oh putain, non, non. Oh là là. Ouf. On a eu chaud pour celle-ci, hein. J'ai bien failli la laisser passer. Ok, 23, il y en a une là. 24 sur 30. Vas-y, énerve-toi, le morse. Boum. Ok. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Encore du mal à tout reconnaître. Ah, cool, un point de vie. Enfin, je comprends, hein. Un point de vie et non pas une vie. Ok, alors toi, vas-y, tape. Voilà. Et c'est bon. Il y a des bouteilles à gauche. Donc on doit pouvoir monter là-dessus. Voilà. Parfait. Je sais pas si le coffre... Oh putain! Si le coffre sera toujours à la fin du niveau ou non. C'est quoi qui fait ce bruit là? Les rats! Les rats! Ouh, il donne plein de pièces, Lyra. Toc, 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 toc. Ne pas toucher la lave en fusion, parce que je sais pas ce qu'elle fait là, d'ailleurs, mais... C'est souvent, dans la salle des machines, on vous met de la lave. C'est un classique. Merde, j'aurais peut-être pas dû aller par là. Attends. Je peux monter, et après... Ah, je crois que je peux monter sur ça, non? Oui! Eh, faut vraiment faire attention à son environnement, hein. Ah bah, le coffre est là! Le coffre est là, justement. Tu ne peux pas ouvrir cette chambre forte sans les autres indices. Ouais, bah il m'en manque 3. Tu sais pas où ils sont, mon pote. Là, il y avait ça. D'ailleurs, j'ai pas activé, je crois, ce machin. Je monte là-dessus. Ah oui, attends, non, mais je vais où, là? C'est Assassin's Creed, maintenant. Il y a une bouteille ici. Mais... Attends. Pas de conneries. Déjà, tu as oublié une bouteille là-bas. Ok, 28. Si je pouvais avoir les deux dernières, ce serait agréable. On a un petit coffre ici. 30. Parfait, on n'a rien raté. J'en suis très ravi pour ce premier épisode. Ok, go. Tu prends ça. Appuie sur la touche cercle pour saisir. C'est bon, j'y suis. Vas-y, balance le code. Je n'y crois pas. J'y suis arrivé. Non, mais c'est moi qui ai pris les bouteilles, pas toi. Non, mais c'est pas possible, quoi. Les indices, c'est grâce à moi. Alors fais pas genre, c'est toi qui as réussi, quoi. Ok, tu te calmes bien, s'il te plaît. Intéressant. C'est la raton roulade de fuite de la vieille Sally Cooper. Selon la légende, elle pouvait rouler plus vite que n'importe quel coureur. Maintiens la touche triangle enfoncé pour l'utiliser. Change de bonus avec la touche L2 et la touche R2. Ok. C'est bien parce qu'à chaque fois, c'est une technique du vieux Sally, la vieille Sally, le vieux Dark machin. Wow! Eh, c'est marrant. Je sais pas si je peux faire mal aux ennemis comme ça. Alors, par contre, du coup, j'ai plus l'espèce de tac que j'avais, donc faut que je change en piqué et... rouler. Ok, donc c'est avec les boutons là. Ensuite, je vais où pour finir le niveau? Je peux m'envoler avec ça, là? Non. Je pense qu'il faut que je remonte. Ok. Bon, je suis pas forcément plus vite en roulade, donc... Non. Vas-y, monte là-dessus. Voilà. Tu remontes. Voilà. De toute façon, on va pas tarder à se laisser, hein, parce que... Les épisodes devraient durer 35 minutes à peu près. D'ailleurs, il devrait y en avoir 2 par semaine. Pour l'instant, j'ai pas les jours. Ah, pardon, j'avais pas vu le. Voilà. Mais il y en aura 2 par semaine. Voilà. Ok, bah on a fini. Voilà la deuxième clé. Waouh! J'ai failli tomber dans le trou là. Parfait, nouvelle pile d'énergie pour Jack. Non, c'est pas ça. C'est pareil. De retour au lobby. C'est parfait. Alors, on va faire une sauvegarde et on va s'arrêter là. Donc, la prochaine
fois, on ira là-bas. Ah mais regardez, il y a encore un point de vie à trouver. Il y a des points de vie un petit peu dans ces zones-là, donc c'est cool. Je sais pas, par exemple... Alors, on en voit un là-haut, d'accord. Je devrais casser la vitre. Ah, d'ailleurs, j'en ai un sur moi, donc qu'est-ce que ça fait si j'en ai deux? Ça devient doré. On va supputer que je peux me prendre deux coups. Mais ce que j'aimerais bien supputer aussi, c'est est-ce que l'ancien qui était dans l'eau est revenu et que du coup, entre les niveaux, je peux récupérer des points de vie? Ou est-ce que non? Malheureusement, je ne vois pas bien. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Descends rapido. Je vois rien du tout, caméra. Voilà, merci beaucoup. Parce que si je peux récupérer des points de vie... Eh non, ce serait trop simple. Bien. Eh bien, je ne peux pas, donc il va falloir vraiment qu'on fasse attention. Genre là, j'aurais peut-être pas dû le récupérer maintenant, plutôt attendre une zone difficile, et bah, si c'est trop difficile, bah, je prends le point de vie. Mais là, ça va être dangereux, je pense. Bref, sauvegardons. Je sais pas où on sauvegarde. Sauvegarder et quitter. Option. Sauvegarder, je préfère faire comme ça. 6%. Ah mais ça a fait une sauvegarde en sortant apparemment, puisqu'on était déjà à 6%. Ok, donc il y a quand même des auto-sauvegardes. Petit check. Option, sauvegarder. Voilà, terre à terre, 6%. Ok. Écraser, effacer. Ok. Très bien, donc j'espère que ce début de jeu vous aura plu. Moi pour l'instant j'aime beaucoup, hein. Vous savez que ce genre de jeu de plateforme, moi j'aime bien, hein. Ratchet, Jack, enfin bref, j'ai pas cessé de le dire dans cet épisode, donc moi j'aime beaucoup. Et j'ai très hâte d'apprendre plus de choses sur ce jeu, quoi, de découvrir un peu plus. Donc n'hésitez pas s'il y a des conseils ou des précisions, si vous connaissez bien le jeu. Je pense que finalement il y aura peut-être pas grand chose à dire, pas forcément d'astuces au niveau du gameplay, mais peut-être des passages secrets ou des choses très bien cachées. Que vous pourriez savoir à l'avance, sans me spoiler bien sûr, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Des passages, genre là je vois un tuyau là-bas, je reprends ma manette vite fait, mais il y a peut-être des endroits comme celui-ci qui sont pas très visibles et qui amènent à des points de vie, à des bouteilles. Hey, qu'est-ce que tu veux? Bah je sais bien. Je sais bien. Merci. Voilà, donc si jamais vous connaissez des passages secrets, vraiment ultra secrets, que je pourrais pas savoir tant que, là-bas dans le fond, je vois quelque chose. Voilà, si je peux pas le savoir, si j'ai pas... Enfin bref, vous avez compris, quoi. Bordel. Ok. Alors on se calme et on se retrouve à l'épisode 2. N'est-ce pas? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est ça? Une vie. Bon, on récupérera ça la prochaine fois. Je veux plus y toucher. Stop. Je veux plus jouer. Si, j'ai très envie, mais voilà. La prochaine fois, merci beaucoup. Bye bye.